Hello tout le monde, c'est Oulala Soul. Je suis pas maquillée, je suis pas lavée, etc. Parce que aujourd'hui, je voulais me focusser sur mon travail et éditer et monter mes vidéos. Donc j'ai fait ça, il est 2h, 14h donc. Et j'ai rendez-vous avec Fanny, Bronin et d'autres amis internationaux. À Apkoujang ce soir parce que je vais à un gala de charité. À Harbour, Harbour, je sais pas quoi là. Oui, un truc comme ça, Grouse, je sais plus quoi. Joli. Voilà. Et donc on va là-bas là. Filmer un peu. Si on voit. Ah. J'ai fait un petit smoky, un petit smoky. Oui, j'ai remarqué que c'était très beau. Voilà, merci. C'est Fanny qui m'a dit ça. Elle m'a dit, il y a un truc de bizarre aujourd'hui. Il y a un truc de différent, un truc très. Tu fais plus femme mature, femme oh, d'accord. Chic. Mais ah, c'est ça, c'est les boucles d'oreilles aussi. Hein. Ouais, peut-être, mais même. C'est parti! Donc on est avec Johnny et avec Fanny. On boit un petit verre de vin. Ding. Et Bronin, over there. Bronin est très occupé. You can tell them my embarrassing story. Oh yeah. Donc, Johnny est en train de parler. On était ensemble. Et il y a le petit monsieur qui est derrière là-bas. Là-bas. Ouais, qui lui dit bonjour. Vous êtes ici pour l'auteur, vous connaissez l'auteur? Et il a dit, ben non. Ben pourquoi vous êtes là? Et c'est après qu'il a dit just, que c'était son père, sûrement. Just because... And after that he said he was the brother. Yeah. Oh la 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 gourde. So I just said, you must be very proud. Thank you.
Alors voilà, il est, je sais pas quelle heure il est. 22h le 27. On a fini, enfin on a fini, je crois qu'on a fini parce qu'il n'y a plus personne. Et donc on va rentrer, on a nos petits livres. Oui. Le livre dédicacé. Attends, moi aussi. Attends. Dédicacé par l'auteur. Voilà. Et voilà. C'est un... Oh, ça sent oh bah Zabrounine. Ça sent le vin. Non, 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 we were vlogging. Okay. So, donc on a notre le petit ça, voilà ça. Et puis on va rentrer chez nous. Oh, what is it? On va rentrer chez nous. Oh, do you not? Donc on a rendez-vous à 13h, il est midi 55, à la sortie 6. Donc je sais qu'il y a Justine qui est arrivée. Je crois qu'il y a une Choubidou que je n'ai jamais rencontrée qui s'appelle Jimmy, je sais pas. Alors voilà, nous sommes à Rondé avec Fanny. Voilà, Fanny, bon, on la voit tout le temps, je sais pas, voilà. Avec Justine, Salomé et Jimmy. Et là, on a décidé de faire le tour des cafés de Rondé. Donc, on va manger toute la journée. Enfin, après, vous pouvez partir quand vous voulez. On va là-bas tout à l'heure, là. Mais... Ah, bah ça, c'est... Bah, on y est déjà allé, non? Mais non, on est allé à l'autre. C'est pas ça? Non, nous, on est allé à Snap. Ah. Oh là là, mais... Ah, Snap, ça a rien à voir. Attends, bah je te laisse prendre une photo. Ah mais c'est trop bien. Moi je vais prendre un miroir. Oh c'est génial, Fanny. Viens, on se fait des photos. C'est génial. Oh oui, c'est génial. J'adore. Oui, attention, la porte se ferme toute seule. Ah oui, donc c'est là en fait. Alors voilà, nous sommes dans une pièce complètement claustrophobique. Comique. On est tous dans la... Ah bon? Ah bah mince alors, on est tous... Tu sais, on sent la fille qui commence à paniquer. Non, parce que j'ai fait un truc comme ça et j'arrêtais pas de me bouger. Bah y'a une sortie là. Oui, oui. Sors. Ah mais ça donne sur... De... Oh putain, c'est vachement creepy. C'est super creepy. Oh, j'adore. C'est trop chou. Ne vous inquiétez pas, les filles. Nous sommes dans un... énorme... Qu'est-ce que c'est? Ça me fait peur là. Attention. Ah, bonjour monsieur. Oui. Oh ça va, c'est rigolo. Ah en fait c'est trop rigolo comme truc. On va essayer de voir ça. Alors attention. Est-ce que déjà on va pouvoir rentrer à 7? On peut aller au café de Surica. Café de Surica. Thank you.
tu attends. Tiens, petit animal. Je ne sais pas du tout ce que tu es. Il n'y en a plus, désolé. So cute. Alors voilà, Fanny est la première fois. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il parle beaucoup? Oh, c'est tout. Oh, c'est tout. Ah, il y en a un qui est passé sous la couverture. Non, s'il vous plaît, monsieur. Ah. Bonsoir. En plus, je dis pas déconnant, le mec. Ah, putain, il est pas maquillé. Oh putain, il est mort, François. Qu'est-ce que vous faites? Attends, il y en a un autre. Ah, déconnant. Je vais cacher ma batterie parce que ça les excite complètement. Ah mon dieu. Ils se sont tous là. Je suis là comme une... Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Il s'éclate totalement dans mon corps là. En fait, il y a un vrai air de jeu. Ouais, ouais. Je pense que comme j'ai... Ah oui, c'est les lieux. C'est Disneyland. C'est Disneyland Paris chez moi. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'attraques? Ne m'agresse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mon collier, c'est ça? En plus, il parle beaucoup lui, hein. Il hurle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ça se trouve, il dit... Non, ça c'est ma robe. Ça se trouve, en fait, lui, c'est celui qui dit aux autres... Avec les fauves. C'est moi qui aura la chaussette. Bonsoir. Ah non, mais j'ai dit non, on rentre pas là. S'il vous plaît. Ah, ça me gratte là. J'aime bien quand il fait ça. Vas-y, gratte-moi. Vas-y. Tu fais quoi? Il y en a qui fait le chat. Au moins, ils adorent mon enfant. Oh, il m'a attaqué le nez. Ah oui, ils aiment bien les colliers en fait, je crois. Non, toi, t'es tranquille, hein? Ouais, il t'embête pas. 4, 3, 4, 3. Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? Ah, bah nous, ils sont en train de nous à chaque fois. Mais je pense qu'en fait, nous, on a des trous, des machins, et ils adorent ça, quoi. Ouais. C'est une véritable aire de jeu. Ils sont posés. Oh là! Ça se bat à l'intérieur, là. Trop mignon. Ça se bat à l'intérieur. C'est bizarre quand tu dis ça. Oui. C'est pas faux. Mais faut pas venir là, c'est pas bien, là. C'est pas cosy. C'est pas cosy. C'est celui qui a... Non. Il y en a un qui me gratte là. On dirait une mouette. En fait, il essaye de créer un trou dans ton corps. On dirait une mouette. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu me dis donc? Enfin, ils adorent se mettre là. Il gratte, mais ça rien. Ah bah oui, mais ça, il ne le sait pas. C'est vrai que c'est chaud quand on se balance. Est-ce que tu vas arrêter, s'il te plaît? Ah, il m'a mordu, je crois, là. Non, non, on ne fait pas ça avec le téléphone des gens. Ah non, mais là, ça me fait guilly. Tiens. Coucou, donc je viens.
viens d'arriver chez moi, il est presque 9h-21h. J'ai passé toute la journée avec mes copines Choubidou, n'est-ce pas? C'est des filles qui regardent mes vidéos et qui sont venues. En fait, aujourd'hui, j'avais fait un petit meet-up. Du coup, j'avais Justine qui était déjà venue 2-3 fois déjà. Donc, je la connais bien. Et on s'entend vraiment bien. Enfin, vraiment, c'est une fille super. On a peut-être des choses de prévues dans le futur avec des chats, etc. Donc j'espère que ça va se faire parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est toujours compliqué de faire des trucs, etc. Bref, voilà, il y avait Leïla que j'avais déjà vue et sa copine Elsa qui avait 18 ans d'ailleurs. Joyeux anniversaire Leïla. Enfin, elles sont toutes les deux trop mignonnes parce qu'elles ont 18 et 19 ans et ça me fait penser à moi quand je suis venue en Corée, en fait, parce que j'avais cet âge-là quand j'étais la première fois en Corée. Donc voilà. Ensuite, il y avait Jamie, qui était là, qui est une fille au pair, en fait, voilà, qui est vraiment très très gentille, très sympa. Et puis il y avait Salomé qui est venue pour la deuxième fois. C'était vraiment très sympa de voir toutes les filles. Donc on était 7, il y avait Fanny, Jamie, Salomé, Elsa et Leïla et Justine. Et il y avait moi. Donc on était 7 en fait. Et on est allé dans un café de Pet Café. Donc voilà, on y allait par curiosité. Hein, mais je sais que les animaux sont pas heureux. Enfin, c'est pas bien de contribuer à ça. Je sais. Et je sais sûrement qu'il va y avoir des gens qui vont pas trop aimer ce genre de truc. Personnellement, je n'aime pas trop non plus. Voilà, j'y suis allée une fois, je n'y retournerai pas. Je sais que les animaux, c'est pas... Enfin, normalement, c'est pas légal d'avoir des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'il en est des lois en Corée, mais voilà, à la limite, en Corée, j'ai pas l'impression que ce soit interdit. Les animaux comme ça, c'est pas fait pour être dans des cachets, pas fait pour être dans des cafés, on est d'accord. En France, ce serait totalement illégal déjà que les cafés chats... C'est déjà, ils ont pas mal de problèmes avec les droits des animaux. Et c'est des animaux, ils seraient 100 millions de fois mieux dans la nature que dans le café. On est bien d'accord avec ça. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a papoté pendant des heures et des heures de tout sur la vie en Corée, etc. etc. Donc voilà, c'était super sympa. Et aujourd'hui, bah, là je vais finir de monter ma vidéo pour aujourd'hui. Je vais faire mon agenda pour cette semaine, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à faire dès la semaine prochaine avec Fanny, etc. On va partir, enfin on va faire pas mal d'aventures cette semaine. Et puis je prépare mon départ parce que bah, du coup je vais partir dans pas très très longtemps. Hein. C'est dans 2 semaines, donc 2 semaines c'est vite passé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Mouah. Et n'oublie pas.